Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo. Nous dans le local métro Napoléon Lauture, donc la cabinet métro Napoléon Lauture. C'est un plaisir que nous allons entretenir ensemble avec autour des faits simples d'actualité, notamment ceux qui font le cas des grands débats nationaux. On parle de nouvelle constitution, on parle de fin du mandat du président. On parle aussi, c'est aussi le rationnement d'électricité, on parle d'impunité, d'insécurité. Et le sujet criant de la semaine ou du mois, c'est le nouveau code pénal. Ensemble avec Maître Napoléon Lauture, nous allons essayer de garder, nous allons brosser ensemble d'actualité, mais nous allons chita sous ça qui est retenu publiquement, haute opinion, qui c'est le nouveau code pénal. Maître Napoléon Lauture, bonjour, bonsoir, évidemment. Bon plaisir pour nous dans le local ou dans le cabinet pour nous faire un petit peu de bouche. Bonjour et bonsoir, et journal de l'Espora. C'est avec plaisir et de gaieté de cœur que moi recevoir l'invitation pour moi partager les lectures comme citoyen, comme avocat et avec le journal là pour nous capables de porter un certain éclairage pour les populations. On n'a pas les populations ni. Et en Haïti, et puis ni tout le monde qui a étrangé. Ni pour tout le monde qui a vécu dans la diaspora. Donc merci pour l'invitation. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous d'entretenir ensemble avec vous. Mais ce qu'on a pour Léon, les scientifiques déjà dans ce pays, ils se taisent presque. On dirait que les médecins sont aux abois. Les institutions morales crient au scandale. L'insécurité est en pleine ébullition, en pleine recrudescence. Les trois pouvoirs de l'État. Presque absent, sinon il parlait d'un seul pouvoir, le pouvoir exécutif qui bat son plein, comme son pouvoir qui a fait ça rouler. Maître Napoléon Lauture, ensemble avec le public en Cap-Galéa, tant qu'on est au préalable, appréhension sur les sujets criants de l'actualité, ça a passé, ça a vivre au quotidien. Déjà, comme avocat, comme citoyen, c'est qui appréhension de ça a vivre, je veux dire. Bon, la question est un peu vaste. Alors, si on apprend la situation pays sous plan, par exemple, insécurité, pour nous dire que, d'une manière générale, l'insécurité est partout et la sécurité n'est nulle part. Cependant, quand Haïti a gagné un caractère particulier, parce que on a vu nos situations côté que et presque la vie de tous les citoyens, de toutes les citoyennes haïtiennes est exposée. Autrement dit, son gros risque qu'on prend lorsque la caillou pour prendre la rue n'importe où. D'accord, la rue n'importe où. Parce que n'importe qui bagaille capable de rivaux. Parce que ce qui s'attaque à expliquer la situation, couvrir pour pas couvrir, nous pas besoin de dire, c'est parce que nous, dans l'État qui faillit à mission. Ça que grand spécialiste a relevé une sorte de false state. Autrement dit, il y a des missions régaliennes que la loi, la constitution, par l'État, l'État vient trouver une situation qui n'est pas capable d'en plier. Par exemple, la première mission régalienne de l'État, c'est protéger les citoyens. Protéger les citoyens capables de circuler sans problème, vaquer à l'occupation. Eh bien, j'en ce dollar dans mon situation, côté que tout le monde presque dit ah, qui ça parle au devant là? Parce que vous venez de mon côté que les bandits font la loi, faut être capable de constater semaine dernière là, quoi côté que G9 des familles alliées nous tendez qui fait pour manifester aux populations. Pour demander à l'État pour le reconnaître, pour le bailler une sorte de reconnaissance légale, bon, c'est bagaille que, ou pas, j'en moins dans aucun pays, parce que son monde a réalisé l'État, c'est bon, et au contraire, l'État, dans sa mission régalienne, est là pour poursuivre son carrière les bandits, c'est-à-dire des mondes qui absorbent troubles, qui ont transgressé la République là. Mais voici pour nos situations, côté que même Mounsayo, ça nous identifie comme bandits, voici que même qu'on lui a demandé reconnaissance légale. Donc c'est vraiment inédit. Donc nos situations, vraiment, côté que Jean-Soudoula vit tout le monde,
menacé. Hypothéqué. Donc, oui, il y a une hypothèque là. Parce que, ou par contre, on a ça pour faire, à ça pour pas faire, côté que l'État lui-même, lui, absent, lui, pas capable, rempli, missionné. Donc, en quelques, en un mot, puis-on résumer appréciation de l'État ça, appréciation de sa vie, appréciation de sa capacité. Si tu as un mot qui est capable de résumer, sauf les dire aussi que tu as dit. Bon, ça me dit, c'est que nous avons l'État qui presque totalement démissionnaire. Démissionnaire, c'est-à-dire que mission que la Constitution et la loi, par exemple, l'on prend par exemple l'État, d'accord, l'ILA pour, et à travers politique que l'a mettait en place, et pour protéger les citoyens de l'île, pour lui, par exemple, et procurer à tout citoyen au minimum de bien-être. Mais, ou à vivre nos sociétés, côté que gagner près de 4 millions haïtiens qui vivent avec moins de dollars par jour. Donc ça, ce sont des problèmes. Donc, les continents de dollars, ou vin pour nos situations, côté que l'État vraiment, lit pas prendre vie citoyen en main, lit pas protéger citoyen. Donc, nos situations d'un là où l'État qui est démissionnaire, où l'État peut être capable de toute leur bagaille, sauf protéger à citoyen au minimum de bonheur et de bien-être. Donc, nous avons l'État qui va quand même assurer la survie de ses citoyens. Mais même l'État, ça n'a pas parlé là, maître Napoléon Luture, c'est même l'État ça qui est récemment sorti un décret pour peut-être publier un nouveau code pénal. Et nouveau code pénal, ça, l'État éventuellement capable de remplacer un ancien code pénal qui était daté presque vers les années 1800. En effet, un peu de monde dit que l'archaïque, il y a un autre monde qui dit que le côté préjudice moral ou bien le côté préjudice aux bonnes mœurs, aux bons principes moraux, il y a un monde qui dit bon, il y a un monde qui témoigne et reconnaissance à l'égard du président de la République parce que le président de la République il publie un décret qui allait dans ce sens. Maître Napoléon Luture, avocat de son rang, on analyse un petit peu littéral sous appréciation ça on veut gagner autour de ce nouveau code pénal. D'accord. Et autour de code pénal ça qui fait que soutien, alors qu'a entré en application dans 2 ans, dans 24 mois, exact. Et gagner 4 discours, tout au moins autour de code pénal ça. 4 discours, 4 positions. Il y a des gens qui disent que radical, les gens qui ont un discours qui plus ou moins radical, ils disent que le code pénal ça c'est voler le jeter. Parce que pas bon du tout, il n'y a pas de rapport à la réalité haïtienne. Ça, c'est son premier discours. Il y a des gens qui disent que le code pénal ça sont bons bagailliers. Un bon bagailler. Au contraire, le code pénal là, sous certains points, surtout dans le cas de relation, orientation sexuelle, il doit aller plus loin toujours. Ça, c'est le monde qui fait partie de LGBT, son deuxième discours. Mon troisième discours, c'est côté que il y a un qui dit que quoi le pénal ça et il y a un pile bagaille qui bon la donne, mais bon ben article la donne tout, ce sont des articles irritants qui méritaient corriger. Nous même qui côté nous y est comme avocat. Et quand pile qu'on parle de quoi le pénal là, c'est des gens qui y a répété des bagages, mais qui parlent. Parce que un texte de loi, l'imande, ou pas qu'à lire comme un roman. Parce que c'est un ensemble d'articles, un renvoyé à l'autre. Donc, l'imande, pour lire, pour comprendre, l'imande, comme un minimum d'intelligence pour faire rapport liaison à texte. Surtout si ou peut-être pas la matière. Exactement. Mais exactement, ça qu'on dit, c'est que nous-mêmes, nous situons nous, dans un discours qui dit que le code pénal là, il y a une bonne bagaille qui est bon la donne, mais il y a une bonne bagaille qui n'est pas bon la donne. Autrement dit, nous-mêmes, nous pas comme avocats, comme citoyens, comme père de famille, nous pas rentrer dans la logique de voir le code pénal là, jeter et que le pas bon du tout. D'accord? Nous situons du côté que bon bonne bagarre dans le code pénal là qui bon par exemple la privée sur l'exemple mais en arrivé là bon cheminement en fait où sont un avocat ou travaille en pile sur question code pénal en effet
D'ailleurs, on ne parle pas sur le code pénal là, son avocat qui militait dans le droit pénal en pile, qui plaidait pour un pile monde en matière pénale. Alors ça me veut dire, c'est que là on prend le système juridique haïtien, son système juridique qui est très ancien. Et si on dit très ancien, on parle d'accord avec nous voulons tout que nous obligés de gagner un code pénal. Parce que lors un nouveau code pénal, lors on a par exemple un code pénal que nous gagnons, ça c'est une carrière, code pénal ça va le remplacer. Son code pénal qui datait de 1835. Nous gagnons un code de procédure civile qui datait de 1964. Nous gagnons un code civil qui datait de 1835. Nous gagnons un code de commerce qui date de 1827. Autrement dit, lors même que nous-mêmes, effectivement, nous sommes pays qui pas appliquer la loi, qui pas respecter les textes. Voilà. Mais il faut nous dire que, ça veut dire, le système juridique là, vraiment, est un système juridique qui est effectif, mais il faut nous admettre, étant donné que la loi lui-même, c'est l'expression de la société, et que la loi lui-même, il a pour capter société a, en termes de transformation que société a connaît, et en termes d'évolution qu'on est, autrement dit, tel système juridique du pays, il fait pour en adéquation, il fait pour un rapport, il fait pour en phase avec l'évolution sociétaire. Donc c'est pour nous dans un premier temps, côté que nous besoin effectivement un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure civile. Parce que la société évolue. Exactement. L'homme évolue. Exactement. Les mœurs bureaucratiques. Exactement. Mais ça pour nous dit tout. Là, par exemple, on a parlé d'évolution de la société. Par rapport à l'évolution de la société, législateur, mon café loi, il n'est pas obligé, quoi si nous avons bon comportement et positif totalement par rapport à ce qu'a fait dans la société. Autrement dit, par rapport à l'évolution de la société, législateur, il n'est pas gagné une compétence liée. Autrement dit, le fait que bon bagage qu'a fait sur le camp de société, l'obligé. Et l'obliger par exemple légiférer dans ce sens-là. Ça veut dire que l'ordre par exemple la corruption dans le pays de Haïti, tout le monde connaît, c'est un phénomène social, un phénomène qui gangrène la société. Mais est-ce que ou est-ce que nous légiférer de façon positive sur la corruption? Non. Est-ce que vous comprenez, madame? Donc au contraire, comme la corruption, c'est pas un bon bagage lié pour la société, ou après que, par exemple, en 2014, je crois que 12 ans 2014, bon loi te prend sur la corruption, mais qui pour combattre la corruption, le comportement social. Autrement dit, non sens pour bien non l'autre, à chaque fois qu'on voit un pouvoir politique et prend des textes de loi, eh bien, texte de loi qu'on prend, il rentre dans l'agenda politique. C'est lui-même qui choisit comme politique publique pour lui, par exemple, appliquer. Par exemple, lors chaque loi que un pays prend, il finit pour résoudre un problème. D'accord? Donc, non sens, il parle bien Napoléon pour lui ajouter ce problème. Il est là pour le résoudre, il parle pour le problème, il est là pour résoudre le problème. Non? Soit pour combattre le problème dans non sens, ou du moins pour légiférer dans l'autre sens. C'est peut-être dans ce sens, par exemple, qu'est-ce qu'on fait plus de balles on prend le code pénal là? C'est l'on prend par exemple, on dit, question de minorité. Minorité sexuelle. Ouais, d'accord? Minorité sexuelle. Ouais. Bien que dans l'étupam, recherche que nous faisons, pourquoi est-ce qu'on parle de majorité sexuelle là? Non, bah ouais. Puis on plus parler de majorité civile, on parle de majorité et pénale, et on parle également de majorité électorale. D'accord? Mais ça ne va pas faire débat sur ça. Donc, Maintenant, désolé que nous m'interrompons, mais c'est le jeu qui le demande. Maintenant, bon débat autour du code pénal, code civil. Même le président, il est obligé de monter au créneau pour essayer de défendre, pour dire non, ça vient du code pénal, mais ça vient du code civil, c'est le code pénal et le code civil. On dit différence beaucoup entre le code pénal et le code civil pour laisser situer côté de l'aller. Très bien. Et écoutez, le code pénal là, il gagne trois fonctions. Il a une fonction répressive, côté que condamné tout délinquant, d'accord, qui tout délinquant, tout le monde qui a transgressé l'ordre social là, son fonction répressive. Il a une fonction expressive,
Fonction protecteur signifie code pénal là, l'ILA pour protéger les valeurs sociales de la société. Autrement dit, tout ça a un rapport avec conscience morale sociétale, conscience collective là, conscience sociale là, l'ILA pour protéger. Et ça fait que sous besoin, ouais. Par exemple, quelles sont les valeurs dominantes d'une société, aller dans le code pénal ou à quoi lui. Et tout, code pénal là tout, à côté de fonctions répressives, fonctions expressives, côté que la protéger les valeurs fondamentales de la société, les valeurs côté que toute société a retrouvé là-dedans, qui forme et constitue son arrivée, conscience morale société a, conscience collective là, il y a une fonction protectrice tout, côté que les protéger mounio non liberté yo, et ça fait un test qui dit, nous la pena, nous l'homme criminel, ciné léger. Son adage la tête que tout petit monde qui n'a pas mis à des lois qu'on est, elle dit que pas de peine sans loi. Les par exemple, il y a parlé de rapport qui t'a dû gagner entre code pénal là et code civil là, son gros débat. Et ça porte nous pour nous dire que dans pile la gaye qui dit dans le code pénal là, qui dit dans le code pénal là, gagne pile là dedans, il n'y a pas un acte en dans le code pénal, mais il y a une puissance. Par exemple, lorsqu'on fait une lecture transversale du code pénal là, c'est comme si pays, nous sommes sur la voie du sur la légalisation du mariage homosexuel en Haïti. Faut dire ça. Cependant, lorsqu'on parle de mariage, ou dans l'autre domaine de la loi, ou dans l'état civil des personnes, ça veut dire qui ça? Il y a l'autre loi qui régit, par exemple, l'état civil des personnes. Ça veut dire que quoi pénal lui-même en lui-même n'est pas capable, et même s'il prévoit sanction, mais il n'est pas capable, il n'est pas capable d'appliquer si pas en termes de sanction par rapport à infraction et par exemple à la minorité, si par exemple il n'y a pas prend une autre loi dans modifier le code civil là, par exemple l'autre code civil là dans tête tout le monde pour un mariage. Faut gagner une fille avec un garçon jusqu'à présent, c'est ça que le code civil là. Mais maintenant, l'Europe le code pénal là, lui est venu à que des possibilités à l'avenir, après à l'avenir, pour que deux garçons mariés, deux filles mariées, filles à garçon toujours mariées. Maintenant, donc c'est ça que fait que en France par exemple et Jean nous-mêmes. Nous bourrer sous question de mariage homosexuel là, la France pas bourrer sous lui comme ça. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que la France fait? Ils viennent avec un bagage, les pactes. Bye, pactes. Et ils viennent pacter. Côté que, ils admettent deux mouns qui ont une union et qui capable par son contrat que tu es vivant entre eux. Jusqu'à ce que, en 2013, la France a adopté une loi. Une loi côté que, il dit, désormais, le mariage peut être contracté entre deux personnes de même sexe ou bien deux personnes de sexe différent. Autrement dit, pour par exemple un mariage homosexuel légalisé en Haïti, il va falloir que l'on modifie le code civil. Tant et aussi longtemps que l'on n'a pas modifié le code civil, là, même dans la France, faire d'ailleurs, texte à la pénalisation, texte nous copier sur la France. Bien que nous prenons ça pour nous prendre, des bagages nous pas la donner, tout autant que par un texte civil qui nous va modifier le code civil là, qui dit comme ça que le mariage peut être contracté entre des personnes de même sexe ou bien entre personnes de sexe différent, nous pouvons capable parler de mariage, de légalisation du mariage homosexuel en Haïti. Mais cependant, l'école pénal là, nous sommes sur la voie de la légalisation du mariage homosexuel en Haïti. Alors, Maître Napoléon, ou abondant, et vous aimez ça, puisque ça va dire aussi intéressant. Maintenant, Sanda Arendjou, il y a des gens qui disent oui, même je me dis là que son texte copié de la France. C'est ça, je vais expliquer. Il y a des gens qui disent tout, mais il n'est pas écrit nulle part dans le décret, dans le code pénal là, que il va légaliser. Maintenant, comment on peut essayer de comprendre cette sorte d'interprétation ça a essayé de faire de l'avenir du mariage en Haïti, l'avenir de l'homosexualité en Haïti, alors que on nous apprend que un code pénal, entre guillemets, pas lié à l'interprétation, mais d'application stricte. Non, là, effectivement,
Bon, ma parole avec un technicien, hein, ou expert en droit, c'est bon. Non, non, non. Là, la parole, effectivement, le droit pénal est d'interprétation stricte. Autrement dit, on n'est pas capable d'interpréter le problème là par analogie pour dire si tel bagaille est semblé avec tel cas, et bien on peut appliquer. Non, on fait pour appliquer le jeune lien. Et ça fait que, ou après que, bon côté, soit dans 6 nuits, ou bien de quel côté, ni nuit, on ne pas connaître, il va aider, par exemple, transformation morphologique. Ouais. Donc, là, par exemple, on parle de transformation, orientation sexuelle. D'accord? Donc, ce sont des vocables, des expressions, des concepts, des formules qui méritaient des définitions. Par exemple, des définitions. Et même Jean-Abdoula, puisque doit avoir une interprétation stricte, ça veut dire législateur qui prend la loi pénale là, faut dire exactement ça le veut dire. Son façon, juge qui peut appliquer texte de loi pénale là, pour ne pas quitter presque en quelle marge pour juger la tapée arbitraire. Autrement dit, le texte devait être clair, faut être clair, précis et concis, limpide pour tout le monde. Pour ne pas quitter en quelle équivoque, pour ne pas quitter en quel flou. Qui fait que l'on va l'appliquer pour être tout bagage de façon claire. Parce que ça, il vient protéger les citoyens à travers la liberté. Et puis tout, il n'y a pas de juge d'à côté pour faire aucune interprétation arbitraire par rapport à ce texte-là. Donc, et ça fait qu'on a un bon débat qui fait sur l'orientation sexuelle, sur question de transformation morphologique. Donc, il n'y a pas clair sur eux, bien que d'une manière globale et générale. Texte là, li écrit dans un français qui est vraiment clair, un français qui est accessible, un français qui est compréhensible. Cependant, nous prenons un texte de loi. Un texte de loi, loi l'île. Et ça, comme nous, la lecture d'un texte de loi n'est jamais simple. Par exemple, lors d'un texte de loi, gagner un ensemble de. Toujours gagner un texte de loi, un ensemble de philosophie. Un ensemble de philosophie, bon orientation. Par exemple, nous qui prenons un texte, bon côté le besoin d'aller. Autrement dit, il vise un objectif. D'accord? Par exemple, les règles ou l'on prend un texte de loi, à travers un texte de loi, ou qu'à analyser de plusieurs façons, ou qu'à analyser au plan social, ou qu'à analyser au plan politique, ou qu'à analyser au plan idéologique, et ou qu'à analyser au plan économique tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, un texte de loi, dépendamment de tout le monde, de toute philosophie ça yo, qui en dans le code pénal. Maintenant, là, par exemple, on prend, en parlant de l'autre bas qui est très clivant, et on aspect clivant, c'est l'aspect majorité, et il y a fait dit que Timou qui a 15 ans, capable, et par exemple, ou majorité. Alors que, constitution, on prend l'article 18, si ma mémoire est bonne, c'est que le pouvoir que majorité, on dit monde, c'est 18 et c'est 18 ans. Donc, c'est-à-dire que, si par exemple, Haïti a un contexte comme ça, nous n'avons pas compris ni nos pays, côté que nous voulons, objectif texte là, c'est viser l'augmentation de la population. Est-ce que vous comprenez? Les gens n'ont pas compris ni, par exemple, pour nous permettre que si monde, à faire petit, mais pour Haïti, bah ouais, ça t'a capable d'entrer dans l'objectif pays. D'ailleurs, pas qu'un monde qu'en Haïti, il va même qu'à vivre. Et c'est ça qui fait que chaque semaine, presque chaque jour, Américain, tout pays a pimpé là. Et ça qui fait qu'il y a pimpé là. Il y a même tout, il y a quitté pays. Ça a blanc, on sort de brainstorming. Parce que tout le monde quitte pays, ni le monde qui gagne quoi quitte pays. J'en sors tout à l'heure, tout comme ça tu veux exposer. Ni le monde qui va gagner quoi quitte pays à tout. Parce que le pays a été tourné, il y a un enfer. Pour presque tout le monde qui a vécu là-dedans, soit vu la même ou même. C'est résion et résion. Ok, tout le monde, son visa, il y a tant pour yon parti. Donc, maintenant, nous presque, nous étions environ quelques minutes. Maintenant, essayez de résumer ça comme ça pour moi. Il reproche le pénal là parce que il fait apologie de l'immoralité, apologie de la sexualité pour les mineurs. Il reproche le pénal là parce que. Il dit que vision et objectif président, c'est pour amnistier des criminels notoires, notamment ceux qui sont issus de la dilapidation des fonds pétro-caribé. Ça, il faut qu'on dit, puisque je ne vais pas faire procès d'intention. Comme technicien, je ne vais pas parler à partir de moi, je vais parler à partir de texte, de texte de loi, de connaissance que vient d'un texte de loi. Par exemple, en matière légale, en matière de loi, ou capable de reconnaître une situation ou bien condamner une situation de façon explicite ou bien de façon implicite.
les wap li code pénal là pas grand ken yo côté yo dit code pénal là rabaissé majorité et majorité ti moun à 15 ans mais l'on font l'étude texte pénal là on peut 15 ans répéter en pile c'est comme si ndadou en principe l'on li code pénal là majorité à 15 ans même gens majorité yo ramener à 15 ans c'est même gens l'on li code pénal de façon transversale ou regarder l'on même que yo pour légaliser mari et les mari ou sexuel bien que nous mêmes nous pas grand quel monde qui réclame une minorité ça parce que nous n'a vu nos sociétés côté que qui caractérise par la liberté nous n'en fait salve est-ce qu'on dit fait salve pourvu que li pas nier l'autre monde est-ce qu'on en là maintenant les trois tours, je ne suis pas capable de dire que le code pénal là, il va servir pour amnistier, par exemple, des gens qui ont été condamnés dans le code. Je ne peux pas dire ça, parce que nous ne pouvons pas dire que c'est arrivé. Cependant, l'ordre du code pénal là, au niveau de l'article 221 jusqu'à 200 combien, qui traitait grâce avec amnistie, tendance là effectivement mal plus loin c'est presque ta créé faire de l'état d'Haïti un état voyou pourquoi ça comme dit ça les par exemple vous prenez le concept grâce ça grâce veut dire c'est un monde qui t'est condamné grâce la vie fait yo l'air gracié yo pas quitté exécuté peine cependant la condamnation est là ça veut dire qui ça la condamnation sont tâches liées une tâche c'est une tâche qui impacte, qui a impact, qui a incidence directe sur personne ou non. D'accord? Maintenant, l'autre par exemple grâce là en dedans du code pénal ça, il dit comme ça que depuis mon gracié, il rentré, il est capable de jouir droit civil. Ça c'est une véritable aberration. Véritable aberration là, on capable de dire en puissance code pénal ça l'a fait pour lui presque transformer le pays en un état voyou, côté que la fait pour monsieur de la voyoutocratie. Les gens qui ont amnistie à lui, qui vont copier lui-même. L'ordre amnistie, lui baille un président droit pour effacer condamnation au monde. Pour faire une comparaison entre code pénal ça et nous, avec code pénal et code de monsieur de la procédure, on va dire que c'est à des choses pour ces bagages. Mbaldo, si vous avez un monde à li dans le code de procédure pénale haïtien, vous pouvez voir que des crimes qu'on commet, si vous n'êtes pas amnistié, ou pas gracié, ou pas réhabilité, côté que vous venez entrer et exercer tout de suite, condamnation à l'irrité, vous pouvez voir que en France, l'article 769, alinéa 2, pardon, du code de procédure pénale française, les raisons pour qu'on a observé des peines, en vain, mon navire blanchi, condamnation saute sous le comme tac, c'est après 40 ans. Après 40 ans. Autrement dit, là, on va regarder effectivement, bon tendance en dans les architectes de l'école pénale, c'est pour blanchir tout le monde que la société attaque, que le législateur est capable de condamner, et puis blanchir pour venir jouir droit civil correctement, même avec citoyens qui respectent. Et nous, je répète ça. Nous avons allé article 769, alinéa 2 du code de procédure pénale. On parle que, avant que nous blanchi, condamnation crée des tâches là, pas peine, non. Condamnation crée des tâches là sur nous qui fait que, qui impacte et sont à carrer les droits, exercice droit civil et politique à travers, qui fait que, casier judiciaire vient souiller les salles, eh bien, ça après 40 ans. Alors que, pendant qu'il y a copié, il y aurait dit 40 ans ça. Après, on va dire ça tout. Et là, on est capable de dire, effectivement, comme ça, on aurait tendance à dire que, quand on a ça, il y a un drap, d'accord, pour les futurs et délinquants de ce pays. Et tenez, que maintenant, pour leur outil, que le président n'a pas amnistié sauf en cas de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Et c'est peut-être ça qui est dans le nouveau code pénal là. Vraiment, brièvement, maintenant, pour leur outil, puisque Wabonda soit tellement bon que nous demandons l'autre interview davantage encore. Tenez, mais c'est même ça. Homosexualité, transsexualité, sexualité infantile, bisexualité à bas âge, etc. Le maître Napoléon Lothiou se positionne.
Bon, et moi-même, je suis un acteur, j'ai 16 ans. Les papas de Timou, c'est comme père de famille, moi c'est Timou. Donc, les par exemple, ou baisser la majorité sexuelle, ou dit Timou à 15 ans, un jour, il a presque fait tout ça. Donc, c'est quoi le peine à ça? Il fait, son invitation, il fait à tout prédateur sexuel dans le monde et même en Haïti qui sont à la recherche de la chair fraîche. Est-ce que vous comprenez? Un petit monde en Haïti, un petit monde l'autre bord, Canada, États-Unis, la France, à 15 ans, un petit monde qui n'a pas de bagaille. Est-ce que vous comprenez? Et même là encore, on croit dans certains États aux États-Unis et même en France, la majorité c'est 18 ans. C'est-à-dire qu'à 18 ans, si vous avez un esprit de discernement, qui a une majorité civile, il compte ça l'appel, compte ça pas fait. Mais le peuple qu'on dit en Haïti, à 15 ans, un jour, ou dit qui a tombé dans le bagage, on va gagner. Et l'autre petit monde dans tout, on dit comme ça que si vous avez son minerlier, et ou pas sous provoquer ou forcer entrer dans le trafic de drogue. Eh bien, ça veut dire qui ça? Et ça me dit que vous êtes là bien, oui. À l'inverse, sous pas forcer, et que le café. Autrement dit, quoi peut la reconnaître de façon implicite, non expresse, le trafic de la drogue. Les pays pour tout le monde, les pays, exemple, ils disent tout, ou que doit ou pas les condamner, les réprimer, au monde qui t'a forcé, le monde entrer en relation sexuelle avec Bête. Ça veut dire que ça, qu'on a un point inverse là, monde, s'il voulait, il vient libre, volontairement, pour l'entrée en relation sociale avec une bête, bagaille qui va avoir un rapport avec la sociale, nous, dès lors que ce n'est pas forcément forcé. Donc le fait qu'on dit, on mette forcé, donc implicitement, on reconnaît que n'importe haïtien et haïtienne capable d'entrer en relation sexuelle avec bête. Autrement dit, on reconnaît l'existence des relations sexuelles et avec bête en Haïti. Donc, t'es contre ces articles, contre ces gens de vice, etc. Bon, c'est pas pour moi-même, c'est pour que ce soit pour compte, mais n'a pas regardé que on bonne bagaille que y a mettez dans le code pénal là, comme on dit, code pénal là une bonne bagaille qui bon la donne, mais bon bagaille qui pas bon tout et que et c'est pas pour compte, mais on constate comme avocat qu'un bon article qui un sujet qui est dans le code pénal là, ce sont des sujets qui ne valaient pas la peine d'être traités dans un code pénal parce que ce sont des sujets qui n'ont des valeurs qui véhiculent le code pénal, qui n'ont aucun rapport avec la réalité sociale. Nous, et ça fait nous-mêmes nous demander, nous t'as souhaité gagner, puisque qu'on est ensemble de sujets, ensemble d'articles qui fait qu'une bonne partie de la société haïtienne fait son accueil, un front de résistance contre le code pénal, ça, faut gagner une transaction entre législateur, le pouvoir politique là, avec société là, sous article qui clivant là, pour nous compromis pour le code pénal ça sortir. Et puis, je vais vous ou pas prendre un code pénal comme ça. Pour la France lui-même, t'es battu de le code pénal de la France là, il existe depuis 1810. Il prend le changement de code pénal en 1814. Il prend le code pénal, il monte en commission en 1974 et il prend le gagner un nouveau code pénal en 1994. Soit 20 ans plus tard. Et quoi que n'aille, pourquoi qu'il est voté en bloc, c'est livre par livre. Pour qui ça fait nous-mêmes nous démarcher pour c'est ça. Et la France lui-même, pour changer le code pénal, ça après 184 ans. 184 ans, effectivement, les pays ont une société, un texte pénal qui a un rapport avec les valeurs fondamentales, qui a un rapport direct avec conscience collective, la conscience morale de la société, il faut nous prendre tant pour la société à accepter. Parce que quoi que pénal français, un, son code pénal qui caractérise une sorte de rupture avec le passé, côté que la société a évolué, il finit avec de nouvelles peines, il finit avec de nouvelles infractions, voilà. Qui bon, mais lui-même tout, bon continuité, côté que il a accepté et que il n'a pas rejeté totalement sa tenance à code pénal. Mais, ce qui est important, code pénal ça, c'est un résultat, je m'appelle code pénal comme ça, tout un consensus, autrement dit, toute société française là, ou presque, t'es reconnaître dans les valeurs qui ont été véhiculées par le nouveau code pénal français. Tel n'est pas le cas en Haïti. Expressement, le nouveau code pénal devait faire objet de débat autour de l'opinion publique.
Et c'est ça qu'on a cherché à comprendre, c'est ça qu'on a cherché à voir, notamment certains articles qui se considèrent comme des irritants. Je rappelle que nous sommes dans les locaux du cabinet de Maître Napoléon Lauture, qui éventuellement tous sont auditeurs de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Sous l'œil de la caméra de Manilo, on est là pour nous débattre ensemble avec Maître Napoléon Lauture, espérant que prochainement, il y ait plus de bagages, comme on dit, notamment sur l'évolution, sur le fonctionnement de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Cour des comptes, c'est ça l'idée pour nous. Même Jean-Pou, président Lidil, il m'a répété, le nouveau code pénal n'est pas là pour lui, comment dire, autoriser, il est là pour sanctionner, il est là pour réprimer. Est-ce que c'est ça expressément qu'il la donne? Est-ce que c'est ça leur vision? On ne sait pas encore. Toutefois, on a cherché avis expériaux sur la matière. Maître Napoléon Lauture, son plaisir pour nous gagner dans le journal de la diaspora, live, pour nous commenter de près l'actualité, notamment le nouveau code pénal. Merci de l'invitation. Je pense que c'est une grande première et que dans d'autres occasions et au moment opportun, ma connaissance sera toujours à la disposition du journal de la diaspora pour partager notre éclairage avec la communauté haïtienne, la communauté des Haïtiens qui se trouvent sur le territoire haïtien et dans la diaspora. Merci encore de l'invitation. Merci à toutes et tous. Merci Manilo. Merci Journal de la Diaspora. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.